J'ai capté ce que racontait sa longuesse Macha Speak, allez dans la zone escarpée. Ah oui, c'est ça. Faut qu'on sauve le monde et on va dans la zone escarpée. Oh, stylé. Ok, donc c'est la zone désertique. Hein. Ok, là, il y a un manzai. Il veut pas se battre avec moi, genre, pour qu'on puisse s'entraîner un peu. Moi, je suis épuisé. Ah, se porter jusqu'à l'entrée. Attends, l'entrée. Pas par là. Oh, il m'a... Oh, il y a Victini dans le jeu. Enfin. Merci, mon pote. Yes, merci Manzai d'être mon pote. Allez, je vais visiter un peu la citadelle du pic. Bonjour Victini, qu'est-ce que tu branles? Il vole Victini? Oh, il vole avec des ailes en fait. Pourquoi il a pas l'évitation ce Pokémon alors? Des Pokémon qui ne connaissent pas le mot de passe rentrent. C'est la devise de la zone escarpée. Courage et... Alors c'est quoi? Si on est tout seul, ça ne sert à rien, la bonté. Bonne réponse. Bon, ça se tabasse là-bas. Ça se tabasse, regardez. J'en connais un qui a essayé de tenir un coup de tête à grain dur qu'il a bien retraité, mais je dirais pas qui. Je ne peux pas vous ouvrir sur l'autorisation de maître Roitiflamme. Ça n'en a peut-être pas l'air, mais garder le portail n'est pas un métier facile. Nous sommes deux gars, mais le deuxième vadrouille. Ok, il faut lui dire de revenir travailler. Je veux bien devenir pote avec un Grignot en vrai. Mais il est fou lui! Allez, s'il te plaît, on fait un duel. Oui! Ok, est-ce que je sais encore me battre, les mecs? Oh! Le générique! Watashi, wa, watashi, watashi! J'ai pas compris. Les types électriques. Non mais c'est pas grave, on s'en fout, on est trop fort avec Pikachu. Au secours, il y a quelqu'un. On dirait que ça vient du canon. Ah mais c'est Grucui, il est coincé dans le canon. Bouge pas, on va t'aider. On va bien t'aider, mais on est trop petit. Je sais, on a qu'à faire tirer le canon. Vous voulez tirer avec le canon, c'est facile, allez juste l'examiner. Vous voulez me tirer comme un boulet, vous n'êtes pas sérieux. Tirez le canon. Eh oui, ça fait du bruit. Vipélia s'en fout, hein. Ah bah il est pas content maintenant. C'est vous qui avez tiré le canon, quelle méchanceté. Qui veut tirer un canon quand il y a quelqu'un dedans? Je n'ai jamais vu une chose pareille, je vais vous faire payer. Je vous provoque en duel. Esquive, 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 esquive. Oh, je le perfecte celui-là. Et voilà, le perfect. Allez, on fait équipe pour le grand tournoi. Oh oui, on va faire un tournoi, comme dans les shonen. Oh, il a une attaque très puissante. Oh là là, attaque le feu et tout. Oh là là. Je préfère utiliser Pikachu quand même. J'arriverai à l'esquiver si j'étais plus rapide. On fait la course. Ok, Pikachu, il est super rapide maintenant. Ah oui, il faut que je secoue la manette pour sprinter, c'est ça? Oh, il est lent. Oh, il est lent. Mec, débilos de... Trop fort. C'est l'arc du tournoi. Oui, est-ce qu'il y a beaucoup... Est-ce que dans One Piece, il y a un tournoi? Oui. Parce qu'il y en a un dans Hunter x Hunter, il y en a un dans Naruto, il y en a un dans Dragon Ball, il y a une sorte de tournoi dans My Hero Academia. Bonjour, Roitiflamme! Maître Roitiflamme, je voudrais m'inscrire au tournoi avec mes nouveaux amis! Je vois que tu as finalement trouvé des compagnons. Cela ne suffit pas, il te reste deux épreuves à surmonter. L'un de vous doit briser ce rocher! Bah, Grucui, il peut, il y a une tête de Grucui sur lui, sur le rocher. Je m'en charge! Grâce à l'explosion dans le canon, j'ai beaucoup de têtes. Ah, trop fort. Oh, mais quel bordel! Incroyable. Bravo Grucui, ta force a beaucoup augmenté. Voici donc aller dans la caverne et trouver la barbe courage. Bon par contre il est lent du cul hein. On va voir comment, on va essayer de gagner avec Grucui. Watashi wa, watashi, 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 wata. Grucui! C'est trop bien en vrai. Il fait un dash à travers le truc là. Par contre il fait 0 dégâts mais c'est parce qu'il est niveau 0 quoi. Oh non! Il m'a touché. C'est pas mal pour esquiver les Pokémon, la charge feu, là. Mais bon, ça vaut pas Pikachu, hein. Je dis pas ça parce qu'on a dépensé tout notre argent à améliorer ses attaques. Je sais pas trop ce que je fais, hein. Je monte, je grimpe. Ok, il y a Colossinge. Il veut sûrement se battre contre moi, je pense. On va se battre sur le pont, Colossinge. Oh, ça va être incroyable. Attrape-moi. Oh non, mais non. Mais il est sérieux, lui? Ah, c'est comme ça. Oh non. Oh, le bâtard. Mais je vais mettre 2 heures. Attends, ok, j'ai une technique. Très mauvaise idée. Ok, stop. Ok. La technique, c'est on s'approche doucement et on le stun. Non, presque. Non! Pourquoi il veut faire la course, débilos? Faut que je prenne Vipélia. Bon, attends, on va essayer de le faire. Je pense que maintenant que je sais où il va, on peut le faire. Oh, sa mère. Il est en haut, il m'attend. Ah, mon Dieu. Ah, la chute, quoi. We do not forgive, we do not forget. Tu m'as pris pour qui? Je suis Vipélia. J'espère qu'il veut se tabasser, hein. Je suis encore tombé. Ah non, il va falloir que je le ramasse.
Oh non, sérieux? Si moi j'ai trop, j'ai tendance à exploser. Surtout, il faut pas qu'il explose, hein. C'est ça le danger. Ça me dit rien qui vaille. Non, non, calme-toi, n'explose pas, s'il te plaît. Ah, quand il dit ça ne me dit rien qui vaille, tu dois le poser. Calme-toi, mon ami. Calme-toi, voilà. Ok, donc là, faut pas se rater. Parce qu'il n'y a pas de barrière. Non, 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 non. Ok, je te pose, calme-toi. Mais attends, mais je dois le poser où? Oh, je me suis trompé, non? On reste calme, l'important c'est de rester calme. Mais quel enfer! Je sais même pas si je peux y aller. Il y a des trucs de gris-cuit, là. Ok. Il voulait être dans le coin, là, c'est ça, hein? Eh ben, Grindur, tu casses les couilles, hein. Montez dans le canon, let's go, allez. Oh là 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 là! Aucune peur, là. Techniquement, si t'arrives ça dans la vie réelle, tu meurs. Hein. Oh là là, il y a du temps limite. Oh sa mère, ok, ça devient compliqué. Vas-y, moussillon! C'est bon, c'est bon, c'est bon. La situation est sous contrôle, les mecs. Et c'est bon. Oui? Bonjour, fait trop de bruit? Non, juste, j'avais envie d'apparaître. Bonjour, apparaît donc. Salut le chat. Ouais. C'est fou. C'est donc ça une coloc de streamer. On peut s'incruster. On peut faire pub dans les lives des autres. Alors, sache que je connaissais pas du tout ce jeu avant. Et que quand j'ai découvert sur tes lives ce jeu, j'étais en mode, mais c'est une dinguerie. C'est le meilleur jeu de tous les temps. Hein. Il a l'air trop bien. Je peux pas vous ouvrir, c'est bien la barbe courage. Vous n'êtes pas n'importe qui, je vais dévorer une porte. Oh. Oh, le tournoi. Il n'y a pas beaucoup de mini-jeux dans ce Poképark par rapport au premier, je trouve. Oh, on va se tabasser, les mecs, c'est parti. Faites équipe pour le grand tournoi, les autres Pokémon sont vraiment forts, faites gaffe. Le colisser de l'autre côté de la caverne. Ok, les mecs, c'est parti. Oh, j'ai eu des... blocs de sel! Oh là là, c'est incroyable, j'ai eu des blocs de sel. Moi, j'ai pas besoin de bénédiction, j'ai juste besoin de blocs de sel. Mais pousse-toi! Mais pousse-toi! Mais je me fais grand bloc par un polarume! Oh, c'est suspect ici, c'est très suspect. Ok, le problème de Vipélia, c'est qu'il va vraiment trop vite. Oh là là, quel bordel cette zone! Une boule de neige! On s'en fout. On s'en méga fout. Bon, allez, cassons-nous là, go. Attends, Cadoiseau, il veut peut-être se tabasser avec nous, ouais. Ah non, une livraison. Ah non, il me dit des cadeaux. T'aurais pas vu ma boule de neige! Oh, j'ai tellement la flemme de sa boule de neige de merde là. Faut qu'on aille se tabasser de temps en temps, quoi. Je veux dire merde, quoi. Oh, y'a un Rhinastock! We meet again, Rhinastock. Donnez-nous la barbe courage. On a plusieurs. On pourrait faire un duel avec vous d'abord. Si vous perdez ce qui est venu là, vous nous laissez la barbe et vous filez. Non! Je me fais racketter par un Rhinastock! Même dans Poképark! Non, ça va pas se passer comme ça. C'est fini. Si je tombe du ring, tu gagnes la partie. Commençons. Oh! Tu vas tomber dans la lave, Rhinastock! Heureusement, il y a une musique épique qui me soutient. LOL! Il me fait des rebouler, le bâtard. Arrête avec tes pistolets, là! Allez! Oui! Alors, Rhinastock rebouler, là! Ah, Rhinastock devait mon pote! On fait la course. Ok, c'est parti. Bon, j'espère que j'ai... Oh non, c'est un volant! Oh non, c'est un volant! What? Littéralement, le mec est descendu sur moi, en fait. Ok, c'est parti, on va se battre. J'adore me battre, moi, dans le jeu. Je déclare le grand tournoi ouvert, le champion recevra la bénédiction de Victini. Ils ont fermé l'entrée, le tournoi, on pourrait pas trouver un autre moyen d'entrer. Scylla. Oh non, pas encore du... Vite! Dépêche-toi, plus vite! Salut! Oh, y a un trio... Mais je dois me tabasser avec un trioxyde! Enfin, le grand tournoi! Mais mon premier adversaire devrait être Bagiguan! Ça fera l'affaire, une première victoire va vite fait, bien fait! Place au premier duel! Sa mère! Les PV qu'il a! Oh! Je check c'est des. Attends, mais comment? Oh, il fait des dracométeurs! Oh! Ce que je l'ai mis! Oh, y'a Bagiguan. Ouvrez les oreilles, j'ai un truc pas clair. Trioxyde, il enlève des Pokémon à travers le portail. Je pensais pas que quelqu'un me vaurait. Je n'avais qu'à devenir champion et utiliser le pouvoir de Victini pour que tout se passe en douceur. Place à la manière forme. Cessez les duels. Oh, par contre, alors Roitiflamme qui arrive en mode. Mais pétez la gueule. Non, un portail caché. Roitiflamme. C'était vrai.
Quoi? Victini est méchant! Allez. Ah non, Victini a l'air d'être capturé. Je crois qu'il était content, pardon. Putain, boss biguit! Pour ouvrir ce portail, il faudra de la force. Vous n'y arriverez jamais sans amis de grande taille. Mais c'est bon, on a des amis de grande taille. On a plein d'amis de grande taille. On tente notre chance, les mecs, let's go! On a plein d'amis de grande taille en vrai. Enfin, j'espère qu'on en a assez. Putain, le scénario! Bon, le scénario est basique. Mais il est bien. Oh, tous mes amis grands. Ben voilà, j'en ai plein des amis grands. Non, pas tant que ça en fait. Donnez-moi votre énergie! Je crois que c'est passé à la seconde. Yes, on l'a fait. Allez, on y va, les gars. On va les sauver, on va les sauver. Putain, ils sont tellement nombreux. Ok, ils sont là. Oh, il y a Cinderella. Attention, on a vu la dernière fois qu'elle était extrêmement dangereuse. Tu te souviens de ta promesse? On t'aide et tu nous rends plus fort. Faudra aussi me débarrasser de cette marmaille. Devenir plus fort, c'est pour ça que vous collaborez avec les autres membres. Trioxyde et Tranchodon sont forts, mais ils aiment pas faire d'efforts, même si c'est pour s'améliorer. Ce sera moi leur adversaire. Battre des mioches en s'y mettant un peu, ce sera un peu la honte. Ne les sous-estime pas. Mais on vous a déjà défoncé. Oh! Oh, je... What? Saute, saute! Lâchez ma rate. Ok, je dois attendre qu'il saute. Je débatte en vous, mais vous allez voir, je suis pas Trioxydre! Tranchodon. Oh, Tranchodon. Ok. Ça, par contre, les combats comme ça, c'est ma spécialité. Mais j'ai la queue de fer, mec. Tu vas faire quoi? Mais tu vas faire quoi? Tu fais quoi comme ma queue de fer? Tu fais R. Tu fais R, t'es mauvais. Mais depuis quand les moucherons sont si forts? Mais je me suis entraîné. Vous n'avez pas le sens commun, il n'y a plus rien à attendre de vous. Ce serait gaspiller le pouvoir. Tu nous avais promis que si on ramenait Victini, on pourrait partager son pouvoir. On dirait que Cinderella nous a bien arnaqué. On va lui montrer, il faut pas te se moquer de nous. Oh, Cinderella va les défoncer. Oh, c'était quoi ça? C'est Cinderella qui a fait ça? Maître? Cindercry! Oh, sa mère. Quelle audace! Je peux ressentir votre farouche détermination. Mais vous ne voulez pas devenir nos amis et appartenir à cette petite utopie de joie sans limite. Oh, vas-y, go, je suis chaud. T'es sûr? Pikachu, faut pas croire ce type! Ces histoires d'utopie, ça sent le pipeau! Quel dommage, nos conceptions semblent décidément bien différentes. Je te confie les bâtons d'or, prends bien soin d'eux dans la zone fureur. C'est quoi ces manies? Vous ne pouvez pas comprendre notre maître. Il est si bon, si exigeant, si seul, mais peu importe. Ça va, Sasuke, là, tu vas quitter le village. Oh, c'est Cinderella, l'attraction de la zone fureur, là-dessous. Je suis chaud patato. Que l'attraction commence. Oh, une attraction enfin! Let's go. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'attractions dans le jeu pour l'instant. C'est genre la troisième ou la quatrième? Il faut battre le plus de Pokémon. Mais c'est quoi ce jeu de merde? Voilà, je sais pas combien il fallait faire, mais j'ai dû les faire les points. C'était quoi le concept? J'adore tuer. Oh, ils sont trop bien les petites animations en vrai. Quelles sont ces mines agressives? Vous pensez qu'à l'instar de Tentacafère et Luglabre, je ne sais pas accepter la défaite? C'est insultant, je n'ai qu'une parole, faites donc sonner la cloche des vœux. Ah, voilà une meuf bien. Je m'appelle Philodron, j'aime manger des pâtes le matin. Et le soir aussi, avec du pesto, de la rabiata. Ah, mais il est vraiment sympa. Mais en échange, celui-là sera pour notre maître. Non, Tiplouf! Pikachu, t'inquiète pas, on va sauver Tiplouf. On va sauver Tiplouf, les mecs. C'est ma seule mission dans la vie maintenant. Genre, vraiment. Genre, j'ai un seul objectif dans la vie. C'est plus devenir riche, c'est plus les meufs, la coke et tout, hein. C'est fini ça. Vous avez rempli votre mission, merci d'avoir ramené les Pokémon. Je viens juste de recevoir un message de Majaspic. Elle m'a informé qu'un tourbillon de noirceur était apparu dans le ciel. Oh sa mère, le tourbillon de noirceur. Oh putain, ça fait peur. Va aspirer le Poképark. Oh, on s'en fout. Attends, peut-être que Chapignon veut se tabasser avec moi, non? Je crains que non. Non, mais pas la course. Oh. Quel gros débile je suis. Mais la caméra de jeu! Mais putain! Oh, ma bite! Oh, la victoire! C'est-à-dire que j'ai failli abandonner. Tiens, chef. Et Capu me montre son cul. Voilà. Il est content, il m'a montré son cul. Oh! J'ai envie de tabasser un Karchakrok. Oh, il est là. Oh, il est heureux. Dégage! Oh,
Je peux appeler mon ami. Je peux appeler mon copain. Let's go. Oh mon dieu. Ok, il est vraiment costaud. Faut juste le faire un peu plus safe. Oh. Let's go, roule-poulet. Oh, Rhinastock, il est arrivé. Tu touches pas mon copain. Ah oui, attends, lui, il peut peut-être devenir mon ami maintenant. Ah non, il retrouve plus Polarum. Non, Polarum. La source chaude, c'était en bas, planqué là-bas. C'était genre là-bas, hein, c'est ça. Oh là 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 là, les contrôles à la manette. Je crois qu'il est là, du coup. C'est ça, la source chaude, hein. C'est bon, il est là. Ouf. Oh, ça y est, on a deux nouveaux amis. Putain, mais regardez tout l'argent qu'on est. On va pouvoir, les mecs, on va s'améliorer. Notre Pikachu, ça va devenir le Pikachu le plus compétitif de la Terre. Boule de neige. On s'en fout. On s'en méga fout. Attends, cas d'oiseau, il veut peut-être se tabasser avec nous, ouais. Ah non, une livraison. T'aurais pas vu ma boule de neige. Alors, vous m'avez dit, c'est plus rapide avec... c'est plus rapide avec Gricui, hein. Comme ça. Ah ouais, il est trop bien, il est rapide. On va apporter ça à cas d'oiseau. Trop mignon, ce jeu. C'est un jeu où tu peux prendre ton temps, c'est cool. Oups, mon doigt a glissé. Mais non. Mais quel enfer du cul. Assez causé. Battons-nous. Ah mais non, mais je suis pas fort avec Moustillon, moi, contre lui. Mais on s'emmerde de ouf, hein. Mais c'est quoi ce combat d'handicapés? One eternity later. Mousti. Je veux être ami avec tout le monde. Je fonds. Oh non, ils font. Mais qu'est-ce que tu fais ici si tu fonds, débilos? J'ai pris un coup de chaud, tu veux pas me porter? Bah oui, si, bien sûr. Juste en haut de la colline, il y avait un sort bébé. C'est vous qui êtes inquiet pour le sort bébé. Bah c'est horrible, sort bébé, il va tomber, quoi. Enfin, il va fondre. Oh. Oh! 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 J'ai une idée. Quoi donc? Tu sais bien ce dont nous avons parlé, combattre en équipe. Oh non! Oh sa mère! Oh, il est vraiment fort, de ouf! Mais je suis coincé dans un coin! Let's go! Oh putain! Si tu m'emmerdes, j'ai mon pote Karchakrok qui va venir te défoncer la gueule. Oh mon dieu. Tu dois vraiment bien dormir, t'en as de la chance, moi je dors très mal, les bougies senteurs. Oh oui, j'en ai, mais j'en ai pas 10. Mais tu veux 10 bougies senteurs, mais t'es casse-couille, pourquoi 10? Bon allez, vas-y, quittons cette zone là. On n'est pas devenu pote avec tout le monde, mais franchement on en a bien géré quand même. Ce qui me fait un peu chier, c'est le cas d'oiseau, parce que je m'étais pris la tête là. Oh, mais regardez les animations. Oh, il se fait dépasser, il est triste. Il faut qu'on booste Pikachu au maximum. Là, c'est mon objectif maintenant, c'est que Pikachu soit le Pokémon le plus fort de tous. Pourquoi dans les nouveaux jeux, ils font pas autant d'animations en vrai? Tout est animé dans le jeu, c'est trop cool en vrai. Watashi, wa, watashi, watashi, wata. Watashi 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 wata. Watashi watashi wa watashi wata. Attends, mais c'est trop bien cette technique. On peut tellement cheeser. Parce que tu peux synchroniser avec la fin du... Attends, mais c'est abusé. Oh, le cheese. En fait, si t'arrives à te faire tomber le Pokémon une fois, tu peux l'enchaîner. Alors, je sais pas me battre avec les Naja. Je sais juste faire la tornade surpuissante. Ah ouais, ça va être dur. Oh putain, est-ce que je vais y arriver? Il m'a dit inutile! Let's go! Les appels de potes, c'est incroyable. Moi, j'ai envie de devenir ami avec Cadoiseau. Ça m'a frustré tout à l'heure. J'ai envie de le faire. Allez, on va chercher le Cadoiseau. On y va tout doucement. Oh, elle est tombée. Mais c'est super délicat! Oh là là, ok. Doucement, on esquive le Miaouss. Voilà. Voilà. Yes! Enfin! Nice! Et Cadoiseau est mon pote maintenant. La région te plaît, t'aurais pas d'effet éternel? J'en ai plein! J'en ai trouvé 3000! 30! C'est bon, j'avais 30. Oh, vos tutris, c'est mon ami. Regardez! Oh! Vos tutris, je regrette de t'avoir mis dans Osef. Je l'ai mis dans Osef ou dans sa page, je sais plus. Tu veux mourir de queue de fer?
Oh là là, mon Pikachu est trop fort! Une photo. T'as pas une photo de Lady Majesty? Oh non! Oh là là, ça je ferais pas, hein, c'est trop chiant. Donc techniquement, c'est la dernière zone parce qu'on a fait les, on a fait les autres. Oh, trop stylé. Mais attends, mais quelle ambiance! On dirait détective Pikachu un peu. Vous êtes perdu ou quoi? C'est bien pour régler cette histoire du portail qui menace les Poképarks. Bah, je m'en branle. Tyrannosif, tu veux un ballon? Tiens, regarde. Tiens, Tyrannosif. Ok, il voulait pas de ballon. Viens-tu nous empêcher? Oui, je viens vous empêcher! Bah, je suis désolé, mais hein, déjà que j'arrive à tabasser des Karchakrok, alors des pauvres cornèbres, c'est fini pour toi. Hein. Let's go, Corbos! Je suis venu enfrayer mes gentils petits cornèbres. Bah alors, Corbos, on fait moins le malin? Tu es costaud pour un morveux, ça me plaît! Yes, merci beaucoup, Corbos! J'ai plein d'amis maintenant. Bonjour monsieur Betochef, on est venu pour enquêter sur les incidents au Poképark. Je m'en fiche de vos histoires. Laissez notre zone en dehors de tout ça. Vous ne serez pas venu pour rien, je vais vous botter le train. C'est exactement ce que je voulais. Il vient jusqu'à moi. Ok, peut-être que Pikachu est trop fort. Oh mon dieu! Pendant qu'on se battait, je me suis souvenu de ce que c'était avec l'amiral Ratiflame. Vous avez la même fougue. Ils ne vous ont pas envoyé ici pour rien. Je vous écoute, c'est quoi ces incidents? Les Pokémon du Poképark sont attirés dans le parc des vœux, voilà le problème. Dans le parc des vœux, vous essayez de vous moquer de moi avec vos contes de fées. Le parc des vœux existe vraiment, on peut y entrer par des portails spéciaux. Ces portails ont été fabriqués dans le laboratoire. Le laboratoire, je ne suis pas sûr, mais... Catastrophe, le pont métallique s'est effondré. Le charpentier, dites-lui de choper du ciment et des planches. Il est à la plage de Ressac. Oh là là, on a plein de trucs à faire. Le pont métallique dans la zone misère. J'ai compris, je vais tout de suite rassembler les matériaux. Allez, on va s'arrêter là pour ce soir. Bon, les mecs, eh ben, écoutez, c'est toujours aussi fun, ce jeu. Donc, merci à tous ceux qui regardent encore ces lives. Sachez que vous êtes les vrais. Tourbillon grandit sans cesse. Oh là là, c'est chaud.